Alors, j'ai goûté mon voilà ça. Avant de jouir, du coup, j'ai vraiment éjaculé dans la main et j'ai tout gobé comme Mais ça. c'est un malade lui. Oh, ça commence. Wow. Hey yo. Hey yo. Comment ça il fait comme si il venait de finir le il boit comme ça là. Ouais, ça ouf Et lui. pour voir, et après j'ai fait, c'est pas bon. Les gars, vous avez goûté ou pas dans le chat? Soyez honnête. Est-ce que vous avez déjà goûté? Vraiment, premier degré. Moi, oh, vraiment, pour de vrai, j'ai jamais goûté. J'ai jamais goûté. Parce que... Ouais, jamais. Attends, on va voir ça, je sais pas. Ça a quoi comme goût? Je sais même pas. Hein. Non, et jamais je le ferai. Tu vois, toi, t'as une... Franchement, les gars, je pense que vous êtes un peu fermés d'esprit. Hein. Franchement, même se prendre une bite dans les fesses, ça va pas vous guinguer. Enfin, s'il y a des gens qui aiment ça, peut-être que finalement, c'est un banger, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Hein. Enfin, bref. N'êtes pas... Enfin... Est-ce que tu as déjà avalé... Avalé quoi? Avalé du sperme? Je ne répondrai pas à cette question. Comment ça, tu réponds pas à la question? Juste dis non, mon gars. Alors, Lactimel, est-ce que je le bois? Eh oui! Non! Hey yo! Non, pas encore essayé! Oui! Non! Oui! Non! Non! Wesh! Non, mais ça me tenterait! Hé! Putain! Hey, elle, c'est pas une streameuse, elle! Si tu veux, on peut essayer. Hein. Non, pardon, je suis désolé. Pardon. C'est une blague. Maman, papa, ne regardez pas cette vidéo! Oui! 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 Ouais! Oui. Mais... Mais pourquoi tous les mecs ils répondent oui? C'est quoi ce bordel? Pourquoi tous les mecs ils répondent oui? Pas pour tout le monde. Si c'est goûter ma propre création, non, ça m'est jamais arrivé. N'ayant jamais sucé, je n'ai jamais avalé. Je suis très ouvert d'esprit et ça ne m'a jamais passé par l'esprit. Non. 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 J'ai jamais sucé un homme, donc avalé de liquide masculin. D'accord. Non. C'est dégueulasse. Désolé pour toi. Et Comment ça, déso pour toi? Tout peut évoluer. Mais pour l'instant, non, non. Oui. 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 Ah! Elle, attends, il me dit un truc. Ouais, je connais pas. Oui. Oui? Ouais, franchement, ouais. Non, j'avoue, je préviens en plus à chaque fois. Bah non, parce que You See Me Again, non. Ouais. C'est dégueulasse. Ouais. C'est hyper amer, genre ça pique, j'aime pas du tout, genre ça reste chaud. J'aime pas ça. Maintenant, je me force plus à le faire. Alors goûtez si vous en avez l'occasion, mais ne vous forcez pas si vous n'aimez pas. Faut tester pas mal de choses dans la vie et ça fait partie des choses que j'ai déjà testées. Ah oui. Ouais. Avec la petite musique classique derrière là. Ouais. Ouais. Oui. Oui. Je dirais que c'est quasiment tout le temps, hein. Donc oui. Ah oui! Je suis une bonne. Wesh! Ah, vieux amateurs. Oui, et ça. Wesh! C'est un grand cru le bail. Là, on parle d'un bon vin ou quoi là? On parle d'un grand cru des années 80 là ou. Oh, je suis une grande amatrice, oui, effectivement, C'est d'ailleurs partie de mes grands fantasmes. Enfin, j'adore. Ça fait vraiment partie de mes kinks et des choses qui m'excitent. Ah oui, d'accord. J'aime beaucoup et pareil, je fais ça très bien. J'aime beaucoup What the fuck? Donnez-moi son numéro là. Donc bah quand ça vient, j'avale. Et c'est vachement pratique, par exemple, quand tu fais ça sur un petit coup de tête et que t'as pas forcément de mouchoir ou ce qu'il faut à côté. Pourquoi pas réceptionner, mais pas avaler. Ça me dégoûte. J'ai Réceptionner. craché à chaque fois. Dans le lavabo, non, non, je peux pas avaler parce que j'ai mes limites. Hein. Je veux bien faire plaisir, mais. Je sais pas, ça me donne des relents, c'est pas. Duh! Déjà avalé, il y avait des goûts qui étaient plus. Moins dégueulasses que d'autres, en tout cas. Il y a des goûts plus. Ou des textures aussi, qui sont pas forcément agréables, mais. Ça dépend, parfois j'aime bien, parfois j'aime pas, parfois c'est chelou. Ouais, j'ai déjà avalé. Est-ce que les mecs ont déjà goûté d'ailleurs, hein? À un moment donné, j'ai voulu goûter. J'ai vraiment goûté. Mais en vrai, comment ça se. Comment. C'est quoi leur. C'est quoi ça vient de ta tête? Tu dis ouais, bon, vas-y, bah je vais goûter, genre. Genre, je vais goûter. Genre, je sais pas, tu poses ton truc sur la table,
tu fais une vodka prod, et ensuite tu fais... Genre tu fais une tier list, quoi. J'ai goûté. Vraiment down bad, hein. Mais jamais... Ah ouais. Pour vous le savez, quoi. Je ne peux pas décemment faire goûter quelque chose à quelqu'un que je n'ai pas goûté moi-même. Et voilà, et donc... Une fois, donc j'étais allongé, je faisais ce que j'avais à faire. Et ça arrivait dans ce et ça atterrit dans ma bouche, tu vois. J'ai pas avalé, hein, je précise encore. Et franchement, ça a un goût d'eau salée. As-tu déjà avalé la cyprine, oui. Bah oui, si, avalé la cyprine, oui. Ouais, cyprine à fond. Ouais, bien sûr. Ah, de la bonne cyprine, ma gueule. Non, moi aussi, ça avale. Hein. Si y a un bon débit du côté de la femme. J'en avais autour de moi, mais peut-être pas avalé. Ce qu'on appelle squirté, une femme. Donc, ouais. Ça a pas un mauvais goût. Hein. Le sperme, c'est alors plus dégueulasse. Hein. Quand on peut faire un petit cutie, bah, on en profite. Eh, en plus, globalement, ça a bon goût. On va pas se priver. Il fait peur, lui. Le fait précisément peur, de savoir, hein, que la personne... Il fait peur, hein. Elle avale ton sperme pour te faire plaisir. Je demanderai jamais, je réclamerai jamais à une fille de le faire, mais c'est justement parce que je trouve ça un peu dégueu que ça provoque des émotions, quoi. Quoi, il va pleurer, là? Attends, le mec, s'il met dans la bouche de la meuf, il pleure en même temps. Bon, bah, écoute, chacun son délire, hein. Là, il était à deux doigts de pleurer, là. Il était vraiment à deux doigts de pleurer, le bougain.